Ouais. Pour moi, j'en vois deux. Un, tu le connais. L'autre, là, je le vois arriver. Les deux, il y a une distance géographique avec toi. Il y en a un, les deux, il y a une différence d'âge. Un beaucoup plus que l'autre. Tu vas beaucoup hésiter dans les choix. En plus, il se peut que près de toi, il y ait une jeune fille qui peut avoir à peu près le même âge que l'autre ou quelque chose comme ça. Tu vas beaucoup hésiter dans le futur. C'est possible. Tu vas beaucoup, beaucoup réfléchir. Je pense que de toute façon, tu ne bougeras pas de chez toi parce que tu n'as pas envie de toute façon d'aller voir quiconque. C'est en gros qui même me suivent. Donc peu importe, je te vois pas bouger ni pour un ni pour l'autre. Non. Je dois t'avouer que quand même, malgré tout, ton cœur a une préférence, je pense, pour le premier, que tu connais déjà, que tu as déjà vu, déjà rencontré. Moi, franchement, je te dis, un, tu l'as déjà vu, un, tu l'as rencontré. Bon, tu t'es fait souffler de peu ton paquet cadeau par une ex. Elle va avoir très peur parce qu'à mon avis, lui, il va te choisir à toi, il va revenir en force et elle, il fait rien avec elle. Alors ensuite, j'en vois un autre qui va arriver. À mon avis, il est plus jeune que toi. Ouais, il est plus jeune, mais... Ouais, tu vas beaucoup hésiter parce que en plus, il y a la différence d'âge, il est beaucoup plus jeune que toi. Après, toi, tu vas te poser des questions sur lui. Puis tu vas pas avoir confiance, tu vas te dire, putain, il va encore me prendre pour une cause, celui-là, il est plus jeune que moi. Moi, à mon avis, tu vas choisir l'autre que tu connais déjà. Mais je te dis, il y a une fille plus jeune que toi qui, à mon avis, elle n'est pas étrangère hein, à tout ça. Je sais même pas.